9h42, voilà, j'ai traversé 5 minutes de pampa, de savane, à cette heure-là encore ça peut aller, et là je vais rentrer dans le merveilleux. Alors j'ai pas filmé tout le merveilleux, mais bien avant il y en avait du merveilleux, notamment la montée sur Pomakchung, c'était très bien à travers les maniocs, mais bon je l'avais déjà filmé une autre fois. Ouais, si je pouvais faire des montages, oui, ça ferait des vidéos moins chiantes peut-être, enfin bref. Donc là ça me plaît, là. Là, on est dans le grandiose. Tunnel, là ça va être comme ça pendant pas mal de temps. Alors je sais pas, justement, voilà pourquoi je filme, pour savoir combien de temps notamment. Et puis pour faire profiter, parce que sinon je pourrais aussi regarder tout simplement sur mon téléphone l'heure qu'il est, et puis l'heure à l'arrivée, l'heure au départ, et inversement, pardon. Mais là, ça peut peut-être plaire. Ah, ça peut peut-être plaire à ma mère. Ça peut peut-être te plaire, maman, ou alors ou Raymond. Si Raymond, un des rares à interagir avec mes petites aventures, c'est Raymond Bou. Bonjour Raymond. Raymond donc est aussi un monsieur qui est venu dans notre. Notre logis, à notre logis, notre guestus, comme mon père aurait probablement appelé ça comme ça, une guestus, parce que même le mot qu'on voit partout dans les bâtiments publics, c'est écrit sortie. En France, certes, quoique, ça se trouve, vous êtes passé à l'américain. Mais ailleurs, c'est écrit « exit », donc qui signifie la même chose, qui vient du latin, d'ailleurs. Qu'on trouve dans « exfiltré », tous les mots en « ex », en fait, c'est « hors de ». Et, et lui, il disait « exit ».« Exit », ah là, tiens, c'est là l'exit, viens là, on va dans l'exit. Donc la guestus, Raymond qui était venu à la guestus. Puis là c'est chouette parce que les techs, encore une fois je me répète, mais les techs sont encore en feuille. Ce qui peut ne pas durer, ce qui va ne pas durer, ce qui ne va ne pas durer assurément. Et ça fera plein de feuilles mortes par terre, énormes feuilles mortes toutes sèches qui vont craquer sous les pas. Ça fait des jolis sons. Un peu comme si on marchait sur des gâteaux secs. Oui. Oh. Ah non, c'est pas des gâteaux secs. Là, c'est sublime ça. Voilà, regardez ça. Oh là là. Oh là là. Ah, faut se pencher. Un petit peu comme dans une église. Dans une chapelle. Il faut faire allégeance. Ouais, beaucoup de toiles d'araignée qui traversent. Je dis, c'est une très bonne stratégie. Un bon garde-manger pour construire le garde-manger. Aïe. Ah, on est. On n'est pas sur la voie large et spacieuse qui mène à la perdition. Car seule la voie étroite et sinueuse. J'ai plus la suite. Bon, on va retrouver la citation des évangiles. D'accord, la voie étroite amène à quelque chose de plus honorifique. La voie large et spacieuse. According to the New Testament. Alors on a beau être dans la jungle, on entend la musique de. Voilà. Aujourd'hui c'est. T'as dormi en pleine gueule. Oh.
Voilà. La pauvre, je vais détruire sa maison. Il faut que je mette la machette en avant parce que... Ouais, on entend de la musique. Ah, c'est jour de fête nationale. Donc il y a peut-être des gens qui sont... Il y a beaucoup de gens qui sont pas partis au boulot. Du coup, ils mettent de la musique, mais... Même quand ils la mettent que pour eux, ça hurle. C'est dehors, hein. C'est un pays où on vit dehors, tropical. Il fait chaud, donc on se vit dehors. Et puis, ils ont tous le plaisir d'avoir des enceintes énormes chez soi. Il y a un sound system par maison, ici. Encore une autre... Bah, je suis désolé, il y a des araignées, là. Mais il va falloir repenser la chose, hein. Donc la toute première vidéo, je vais me souvenir que la toute première vidéo, je l'ai faite ici. Sans parler, c'était le tunnel du... C'était le tunnel de la Belle au bois dormant. Plein d'épineux. Et à la fin, le prince charmant découpe, taillade et terrasse le dragon. La sorcière qui s'est transformée en dragon. Aussi des oiseaux, hein. C'est quand même 100 fois mieux comme chanson que ce que les locaux apprécient. Ouais, c'est pas des... Genre, si c'est des chansons traditionnelles, ça va, c'est sirupeux. Et sinon, c'est du jerk. Enfin, c'est pas sirupeux, c'est du jerk. Donc c'est... Dans les deux cas, c'est bête, quoi. C'est juste de la musique bête. Mais pacifique. On n'est pas dans les métal. Ah, ça aussi, c'est un autre projet. Hein. Pour les restaurants qui risquent... Les restaurants ou le voisin. Qui risquent de me casser les oreilles. Parce que Kyo, ni Kyo ni Marie n'y voient quelques problèmes. Toi, l'araignée. Différentes stratégies. Alors, la stratégie de Kyo, c'est d'attendre qu'il fasse faillite, puisque de toute façon, pour elle, d'ici 2-3 mois, c'est pas viable. Il y a tellement de restaurants à Paxé, et il y en a quelques-uns au bord du Mekong, et surtout, notre village est au bout, d'après elle. C'est pas un bon village pour mettre en place un tel projet. Alors certes, juste quelques centaines de mètres avant, il y avait One Love, qui est un restaurant, un gros restaurant de bord du Mekong, qui faisait karaoké, qui à une époque faisait un peu guinguette aussi, et qui étonnamment a fermé. Donc c'est qu'il ne devait pas y avoir assez de gens, ou alors ils avaient vu trop grand, ou bref, il peut... Ça peut être d'autres raisons. Ouais, donc Kyo parie sur ça. Parie sur le fait que de toute façon ils auront trop peu de clients pour continuer. Première stratégie. Stratégie calme, stratégie très laotienne, hein, du hot ton. Ça c'est vraiment un truc que je dois apprendre. Mais j'ai du mal. Hot ton, ça veut dire la patience. Hop, tu gardes ça pour toi. Sois patient, tranquille. Ouais. Mais je sais pas faire ça. Ce chemin est sublime. Sublime. C'est sublime. Là, je me ficelle de caleçon moi-même. Félicitations. Je me félicite. Félislip. Félislip aussi. Ah, toi le dernier. Deuxième stratégie. C'est pas vraiment une stratégie, c'est que si à un moment donné j'en ai ras le... Ce qui pourrait être fait, c'est deux énormes bâtiments, enfin deux maisons, hein, deux... sur les côtés à droite et à gauche pour bloquer le bruit. Deux maisons, deux bungalows. Parce que c'est pas gênant, il sait pas tous les jours. Enfin là, si dans le restaurant, ça risque d'être un peu tous les jours. Ça peut peut-être même pas être fort, on sait pas en fait, on sait même pas si c'est un restaurant a priori si. Ou si c'est juste un endroit pour eux, mais...
Bref, donc faire des bâtiments de chaque côté. Pour ça, bah, faut beaucoup d'argent. Il faut quand même pas mal de sous quand même. Un bâtiment, c'est bien 10 000 euros. Le faire en hauteur, maison sur pilotis, élégante, bord du Mékong, pas trop près non plus, pour éviter qu'il s'effondre dans le Mékong un jour. Ça, voilà, c'est un peu ce dont je rêve. Je pourrais faire des bâtiments pour bah, des gens qui viendraient ou ma maman. Voilà, enfin, après ça dépend du boulot que j'aurai ou de la possibilité de trouver des revenus. Donc ça pourrait être en mode guest house ou en mode location pour du long terme, loué sur quelques mois. Au bord du Mékong, on serait les seuls, pour l'instant en tout cas, on serait les seuls à proposer un truc protégé, sécurité, etc. Après, reste à voir si la musique du voisin est pas trop pénible. Enfin, le nouveau voisin, je parle pas de l'ancien. L'ancien, c'est pas tous les jours, c'est une fois par semaine. Mais moi, ça m'insupporte. Puis rien que quand il parle, rien que sa présence, rien que le fait de savoir qu'il existe, en fait. Oui, oui, c'est extrêmement... C'est anti-chrétien. Je suis là... je suis pas du tout sur la voie du Christ, là, avec lui. Et pourtant, je sais qu'il m'a été envoyé exprès. Hein. Ouais. Le truc à côté aussi, le restaurant à côté aussi, certainement. Le restaurant, le futur restaurant, ou le pas-restaurant, je sais pas ce que ça va être exactement. Mais ça, c'est mignon. L'univers t'envoie ce dont tu as besoin pour progresser. Et c'est souvent incompris, c'est souvent scandaleux, c'est souvent détestable. Il y a des gens qui perdent, voilà, des décès soudains. Comme là, le papa d'une amie qui est décédé en moto, il y avait une cinquantaine d'années. Qu'est-ce que c'est chouette. Donc je le connaissais pas beaucoup, je l'avais vu une fois, mais il avait l'air gentil et doux, et puis il travaillait pour l'État au niveau du tourisme, et il ne semblait pas être un pourri, ce qui est très rare. Il faut être vénal hein, pour travailler pour l'État. Donc voilà, c'est une annonce, si vous êtes vénaux, si vous avez un petit potentiel d'enculé, alors postulez. Alors faut savoir que pour les boules de travail au Laos, pour choper ce genre de boulot, que ça soit fonctionnaire ou dans une belle position du style banque, il faut payer. On n'envoie pas un CV et après il vous appelle et on vous rappellera ou alors vos compétences correspondent exactement à l'objectif de notre entreprise. Ou alors vous avez passé un concours hein, dans le cadre de l'État. Ici je crois pas que ça soit un concours du tout. Non, même j'en suis sûr. Non, c'est du réseau. Et il faut soudoyer les gars qui signent. Alors ça peut être... pour rentrer dans la police, je crois que c'est 5 000, l'équivalent de 5 000 euros. Pour une banque, je ne serais pas étonné que ce soit le double. Donc voilà. Donc effectivement, à l'heure des charges, on peut comprendre que si on a déjà dû payer pour rentrer dans ce boulot, après, bah, si le boulot nous met, il va, et ça va être le cas, nous met juste à côté de... pas trop loin de la rivière où il y a du poisson, eh bien, bah, on va se servir, quoi. Et donc ça aide pas le pays, ça c'est clair. Moi je serais pour une solution radicale. Quelques exemples. Comme à l'ancienne. Pendu ou coupé ou guillotiné en place publique. Et voilà. Et on pourrait même faire sécher leur corps au soleil, la source est rizière. Ah, ça me ferait une belle transition. Hop, comme ça je vais arrêter là. Voilà, 9h57. Donc il est 10h. Donc voilà, faut payer pour être pour rentrer dans le boulot. Donc du coup, bah, après, il est fort possible que tout le monde se sert. Donc le papa de Tanoï, le papa qui est décédé d'un accident de moto, bah, il avait juste une moto. Hein. Il avait rien d'autre. Donc alors qu'il avait plus de 50 ans, il s'en était pas mis plein là. À les poches quoi. En même temps ils sont pas assez payés, ça c'est clair qu'il faudrait, mais en même temps ils sont trop nombreux aussi. Ils sont trop nombreux. La dernière fois que je suis allé à la Vatanatam, c'est l'équivalent de sorte de culture, de traditionnelle culture, pour me plaindre du bruit de... alors c'était il y a longtemps,
Oh, j'en ai plein d'aventures ici. Et dans le bureau, comme disait Coluche, il leur avait donné du travail pour 4. Heureusement, ils étaient 15. Et donc, ils lisaient le journal. Déjà, ils savaient lire, c'est quand même pas mal. Hein. Faut savoir qu'il y a même beaucoup de gens ici qui ne savent pas lire, ou en tout cas, ils déchiffrent, mais ça s'appelle pas ça lire. Même si la langue, là-haut, ne me semble pas très très bien pensée en termes d'écriture, de transcription. Bon, qui suis-je pour pouvoir faire juger de ça? Et sinon, bah, maintenant, c'est le téléphone. Le téléphone, parce que généralement, tu as une phrase, donc tu as 5 mots, donc ça, c'est pas trop pénible à lire. Et puis, tu as une photo, ou alors une vidéo avec des gens qui parlent. Comme ça. Bon, donc voilà, c'est le mode archi-feignant. Tiens, il y a le bel oiseau. Oh là là. Ah, bah, c'est rapide. Lui, je le rencontre souvent. Je sais pas si c'est le même, mais. Je le vois souvent. Enfin, j'en vois des comme ça souvent. Ils sont assez. Ils ont l'air pas mal balèzes. Hop, bon allez, fini ma toute. Donc voilà, donc, je voulais juste finir quand même pour le. Voilà, c'est fini pour la rizière. Tout à l'heure il était 9h quoi. 9h, presque, il était 10h je crois. Hein. 9h58, un truc comme ça. Voilà, je voulais noter aussi. Parce que là je traverse la rizière, c'est le plus long chemin à traverser en rizière. Donc, là c'est de 100 mètres, c'est de 50 mètres. Et c'est en plein soleil. Alors là pour l'instant le soleil il est encore du matin, donc il est encore pas mal à l'est. Mais après comme il se couche là-bas, ça veut dire que ici si je me balade un peu plus tard, la rizière c'est vraiment sous le soleil. Ça tape. Bon, sur 150 mètres. Ben oui, mais bon, quand on est perfectionniste, on voit ce genre de détails. Hop. Donc je sais plus où j'en étais dans mes logiques où je disais que les fonctionnaires achetaient leur place et donc du coup voilà, ils mettaient souvent les mains dans le magot. Voilà, ça croustille. On te parle des gâteaux secs. Aussi, on est encore dans le beau quoi. Ah, là on est dans le baume, c'est moins tunnel. C'est quand même assez forêt. Bah, c'est ce que j'appelle forêt ça. Tout à l'heure c'était un petit peu plus jungle. Jungle, fais gaffe à ta goule. Musique d'ambiance. Hein. Alors moi je préférais le silence et les oiseaux. Et là c'est chouette. Regardez ça. Regarde ça. Ah il y a un monsieur. Ah ça va, Ellie. Bohin. Nyang. Nyang Lin Tsuchu. Nyang pa, si pai ha, si nyang hot, tatamun. Koi chak thang yo, koi koi hin, koi koi ma lin talot. Bo pe nyang no. Ouais, je disais simplement que j'allais à la chute et que je me promenais. Et que ça n'avait pas. Et que ça n'était pas grave, le fameux Bopenyang, qu'on sert à toutes les sauces ici. Dans la corruption. La corruption, oh Bopenyang. Donc autre clin d'œil, oui. C'est pas un clin d'œil là, c'est un voileur, c'est plutôt un œil au beurre noir. Ouais, parce que je parlais en fait du décès. Donc je pensais à au papa Tanoï. Et encore pire. Enfin là, ce que je vais dire, c'est peut-être pour ça que je me perds. Ce que je vais dire est triste.
Je sais pas si je prends le même chemin. Je suis pas venu depuis. Hein. Je sais plus. Mais il y a quelques jours, il y avait un père, sa fille de 18 ans et un bébé qui étaient sur une moto et une grosse voiture, a priori, dont le conducteur était sous, les a tamponnés. Peut-être pas que je fasse le malin en posant, parce que je suis en train de me paumer là. Je peux pas passer par là. Oh, ouais, je roule tout là. Ah, il y a plein de super chemins. Ouais, mais c'est pas par là. A priori. Ce qui est bien quand on se perd, c'est que quand je me perds comme ça en direct, ça m'aide à me souvenir. Donc là aussi, je sais même pas si je peux. Oh bah dis donc. Ouais. C'est ça, là en saison des pluies, quand il y a un chemin, on est content. Mais en saison sèche, il y en a 50. Parce qu'il y a plein de choses qui meurent, qui fanent. Et donc du coup. Il y a plein de passages pour les vaches, pour les gars. Qu'est-ce que j'ai branlé? Ah. Ouais, donc un gars sous, probablement. Un gars, je dis, ça peut être autre chose qu'un gars. Hein. La misère du monde ne vient pas que des bonhommes. Hein. Ce que pourrait nous, au contraire de ce qu'ils veulent nous faire croire, les féministes au monde. Bon, ça c'est sûr que c'est par là. Et après, je crois que je plongeais. Putain, ça a l'air d'être par là, c'est chouette, mais. Mais. Là, c'est pas possible, ça n'a pas pu pousser comme ça. J'ai pas pu passer par là. Ah, je sais qu'il fallait se pencher, qu'il fallait que je trouve des. Tectonis, Pandanus, Tectonis. Donc il a fui, le conducteur ou la conductrice a fui. Bon, ça c'est sûr que je peux passer par là vu que je me prends plein de. Ah, puis là je suis proche de l'eau. Ah, puis je venais juste de dire. Je venais juste de dire au petit monsieur que. De crâner en disant oh, je connais le chemin. Ah, les clins d'œil comme ça. Donc il a fui et qu'est-ce qui s'est passé? Bien, la jeune femme de 18 ans est morte sur le coup. Le père est à l'hôpital dans un état relativement inquiétant. Et la petite fille qui était, je ne sais pas l'âge qu'elle avait, mais une jeune bébé, une jeune, très très jeune, a la tête défoncée. Voilà, enfin. Ça, c'est des paroles rapportées. Bon, bah, je reprends le chemin où je m'étais dit que je m'étais trompé, mais. Première possibilité, j'ai pas de souvenir. Deuxième possibilité, j'ai absolument pas de souvenir. Troisième possibilité, j'ai pas de souvenir. Quatrième possibilité, hein, regardez, ça sert à quoi de faire des marques si on les regarde pas. Qu'il en douille. Donc c'était bien là. Ouais, il y en a une là aussi. Ben voilà. Et on est pas perdu. Et là, par là. Ah, il y avait deux possibilités. Celle-ci, il faut que je me penche plus chez celle-ci. Pense. Tiens, il y a une belle bestiole assez importante, un rat, je pense. Un rat. Oh, c'est bien rare. C'est bien rare de trouver des bestioles. Moi, j'ai peur de rien. Je suis vraiment pas inquiété. J'ai pas une grande confiance. Il peut rien m'arriver. Il peut rien de. Je ne veux pas rencontrer une bestiole dangereuse, ou alors si je la rencontre, bah, elle sera généralement c'est elle qui fuit. Elle a. Ah voilà, les fameux tecs sèches, secs, il y en a déjà ici. Ah, c'est parti pour les gâteaux secs.
Donc voilà, on nous envoie, voilà, ça y est, j'ai retrouvé non seulement le chemin, mais aussi ce que je disais. Enfin, le fil de ma pensée, c'était de... On nous envoie, l'univers nous envoie des... ce dont on a besoin. Même si c'est scandaleux, révoltant, injuste en apparence. Donc, comme le décès de cette jeune fille de 18 ans, donc, qui était de la famille de la femme de Jean-Christophe. Voilà, j'avais commencé une vidéo, la deuxième vidéo, je crois. Je l'ai commencé avec ce sublime arbre. C'est sublime. Comment ça pousse dans tous les sens. Il s'est fait un contrefort en hauteur. Étonnant. Waouh. Donc, dans une moindre mesure, mes voisins casse-couilles sont des... sont en fait des superbes aides. C'est des... comment on appelle ça, des conseils. C'est des cadeaux, ouais. Des cadeaux, carrément. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ah, il faut être un petit peu torturé ou un petit peu maso pour se dire ça parfois. Mais en tout cas, c'est la conclusion à laquelle le livre des esprits arrive. Enfin, c'est pas qu'il y arrive, c'est les esprits qui parlent, donc c'est une évidence pour eux. Ils le savent. En tout cas, c'est assez cohérent. C'est assez cohérent normalement en fait. Bon, bref, faut lire le livre. Il faut s'intéresser à ça, si on ne s'intéresse pas, ça n'a aucune importance de toute façon. Vivez ce que vous avez à vivre. Vivez comme vous le faites. Vous serez rattrapés, on sera tous rattrapés par la réalité, cette réalité métaphysique. De toute façon. En tout cas, selon mon opinion. 10h11. Donc tout à l'heure il était presque 10h. Et là il est 10h11. Donc j'ai mis 10 minutes. J'ai mis 10 minutes de rizière 1 à rizière 2. Donc les stratégies pour mes voisins, construire deux bâtiments. Oh, ça fume. Bon, je vais le poser sur un bout de bois, mais le bout de bois est pas droit. J'ai voulu qu'il soit comme ça. J'ai même la machette en dessous. Ça va être chouette. Oh là. Voilà, comme ça je vais pouvoir boire un coup, tranquille. Deuxième stratégie. Nuire aux voisins. Ou en tout cas, non, pas les nuits. Leur nuire à la hauteur à laquelle ils me nuisent. Et de la même avec les mêmes méthodes. Donc me procurer un sound system que j'orienterai vers eux. Donc je note sur mon petit plan. Presque 10 heures donc pour cette rizière là. Et 10h10 pour cette autre rizière. Là, je me suis un peu perdu. Je le note.